Vas-y. Pourquoi pas une affiche? Ouais, you don't want to. Un Airbnb, quelques jours, ouais, je m'en souviens. De la laisse. C'était où ça? C'était... De temps en temps, pendant le voyage, parce que la vie en camping-car, c'est pas toujours facile. Okay. Fois ça. Là, il est en train de se tirer. Mignon. Mais il est en train de téter. Téter? Oui, c'est quand il était. Il était tout bébé. Ah, il est un peu con. Regarde-moi, je suis petit. I can do that. Ah, il est un peu con. Regarde-moi, je suis petite boule. Attends. Regarde-moi, il a réussi à monter et tout seul. Putain, il veut péter. Il a un problème avec les fournitures scolaires, je pense. Vraiment. Bon, ça ne va pas faire. Il a vraiment un gros problème avec les fournitures scolaires, là. Je regarde une chaise glorieuse avec des gros. Ça te plaît, mon tichou? On fait une balade, on va à la plage pour faire l'apéro devant le coucher de soleil et monsieur Ruby nous suit. Il est trop mignon. Il y a un chien, ce chat. Trop chou. Un chien. Allez, mon bébé. Hop là. On va sur cette magnifique plage. Depuis 2 ans maintenant, on a fait tous les pays d'Europe, on est parti au Maroc, on est remonté au Cap Nord. Et puis maintenant, on est redescendu, ça fait un peu moins de trois mois qu'on est en Turquie. Et on va après direction Géorgie, Arménie et l'Inde. Et on a perdu notre chat depuis un mois maintenant, c'était le 24 mai. On l'a cherché un petit peu partout, on a fait des affiches. On a mis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, un matin, il est sorti, comme il sortait d'habitude, à 7h du matin. Et souvent, au bout d'un moment, il revenait au bout d'une heure ou deux. Et là, il n'est pas revenu. Donc, on a commencé à le chercher. Et là, ça fait 3 semaines qu'on a perdu notre chat. Et on est très triste.
Et donc on demande à tous les gens qui peuvent nous aider, essayer de le retrouver. C'est un chien qui a 4 ans, qui fait partie de la famille, qui a voyagé depuis 2 ans avec nous. On a passé plein de beaux moments avec lui et il nous manque énormément. On est prêt à donner une récompense, si quelqu'un le retrouve, jusqu'à 1000 euros. Donc si vous pouvez le chercher, le retrouver, c'est un chat blanc à des poils longs, c'est un sacré de Birmanie, il a les yeux bleus, il a une longue queue. Si vous le trouvez, prenez-le avec vous, parce qu'autrement il va se rééchapper, il va repartir. Donc prenez-le avec vous et appelez le numéro de téléphone. Si vous êtes vétérinaire aussi, vous pouvez lire sa puce. Il a une puce à l'intérieur du corps qui permet de l'identifier avec un numéro. Et avec ce numéro, vous pouvez aller, si vous êtes vétérinaire... Vous pouvez l'attraper, il est vraiment pas agressif, il est sage. Il est très gentil, oui. Il est gentil. Il n'est pas agressif, il est vraiment très gentil, donc prenez-le avec vous, emmenez-le et appelez-nous après, s'il vous plaît, ou appelez le numéro que vous avez donné. Merci. Merci beaucoup. On est arrivé à peu près, quelle date, chérie ? Vers le 21 mai. On est arrivé vers le 21 mai, et le 24 mai, on était garé là avec notre camping-car. Et le 24 mai, je suis sorti le matin, comme je fais pour prendre mon café, et le chat généralement sort, ça fait 2 ans qu'il voyage avec nous, il sort sans problème, il revient toujours au bout d'une heure ou deux. Quand il a chaud, il sort pas? Oui, il sort plutôt le matin, le soir et la nuit, effectivement. Donc on l'a cherché des heures dans tout le quartier de Béchir qui est par ici, jusqu'à la grande route là-bas. Vers la mosquée. Jusqu'au parc derrière là-bas, on est parti jusqu'au bout. On a mis des affiches chez les vétérinaires, dans les magasins animaliers, les animaleries. Avec d'autres familles de Béchir, on a cherché vraiment beaucoup. On a posé des affiches un petit peu partout. Tous les locaux. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne les arrachez pas, parce que peut-être que dans 3 mois, il sera retrouvé. Nous, on est... It's so friendly. It's amazing. In Morocco, it's...